Il faut à tout prix que tu te sépares de Marina. Je veux que tu sois pour toujours loin de cette femme. Elle n'en veut qu'à la fortune de Guillermo. À cette fortune qui n'appartient qu'à toi et à Elias. La police continue de chercher Marina. Bon, le plus probable, c'est qu'elle ait commencé le travail et on peut espérer que quelqu'un l'a emmenée chez le docteur Velasco. C'est lui qui l'a suivie pendant toute sa grossesse. Je ne voudrais pas avoir à dire ça, mais si Marina a disparu depuis si longtemps, c'est qu'il a dû arriver un grand malheur. Pastora, il ne faut pas dire ce genre de choses. Bon, ben moi je vais retourner faire un tour dehors. J'en sais rien, peut-être que j'arriverai à la retrouver. Je vais devenir fou, moi, si je reste là à ne rien faire. Oui, mon amour. Et si tu la retrouves, tu nous appelles immédiatement. Oui, Mathilde, repose-toi. T'entends pas pleurer ton bébé? Tu sais, faut lui donner à manger. Il y a des femmes, franchement, ce sont vraiment des mauvaises mères. Faudrait leur retirer leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas de ton enfant? Je ne veux pas du mien non plus. Je ne vais pas pouvoir l'élever. Mais donne au moins de quoi manger à ton bébé. Tu vas le laisser pleurer longtemps? Je comprends pas ton attitude, c'est ton gosse quand même. Ah, ça, il pourrait mourir de faim, ça la gênerait même pas, j'en suis persuadée. Vous allez la laisser tranquille, vous voyez pas qu'elle va pas bien? Toi, t'as même pas ramené de vêtements pour ton gamin, alors t'as rien à dire. Vous êtes des mauvaises mères. Sans vous, vos mioches seraient encore tout nus, les pauvres. Infirmière! Infirmière, s'il vous plaît, venez voir. La folle dans le lit à côté de moi, elle refuse de donner le sein à son enfant. Est-ce que Mathilde dort encore? Oui, en effet. Voilà votre petit café, monsieur Elias. Merci. Je vous en prie. Marina a disparu depuis hier et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Je suis inquiète. Bon, je file au poste. Rester ici sans aucune nouvelle de ma sœur, je ne supporte pas. Oh oui, monsieur. C'est pas vrai, j'espère pas tomber encore sur le répondeur. J'en ai assez de laisser des messages. Allô? Julio? Ah, comme ça fait du bien de t'entendre. Dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'étais bien inquiète et je t'ai envoyé des messages et tu m'as pas répondu. Oui, je les ai bien reçus, Gertrudis. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus trop de batterie et je peux pas rester sans portable. Et j'aimerais savoir pourquoi t'es pas venue dormir hier soir avec moi dans le grenier. Qu'est-ce qui est arrivé à Marina? Ici, tout le monde est très très inquiet de sa disparition. Ils ont été jusqu'à appeler la police. Ah oui, ils ont prévenu la police? Bien sûr, mais toi, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Je n'ai pas pu faire grand-chose. Quand elle m'a vue, elle a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Une femme est venue l'aider. Ensuite, ils ont appelé une ambulance parce qu'elle allait accoucher. C'est pas vrai, il est déjà né si tôt? J'en sais rien. Mais j'imagine bien que oui. Je suis juste garé en face de la clinique où l'ambulance l'a conduite. J'ai passé toute la nuit à la surveiller, mais... Bon, il y a pas longtemps, je me suis endormi, mais c'est pas... J'espère qu'il ne s'est rien passé entre-temps. Bon, tu vas entrer à l'hôpital et demander... Mais ça va pas la tête ou quoi? Si j'y entre, Marina va me reconnaître. Elle saura que je suis vivant. Mais elle est pas idiote, elle devinera vite que c'est moi le type au masque. Et donc, tu comptes attendre que Marina sorte de l'hôpital? Oui, c'est ça. Je vais attendre que Marina se décide à sortir avec son batelier junior. Pour le lui voler, Gertrudis, t'entends? Pour le lui voler. C'est pas possible, son gosse arrête pas de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'entendez pas votre bébé crier? Vous êtes malade?
Donnez-lui à manger, voyons, il a faim. C'est impossible de ne pas aimer son propre enfant. Que se passe-t-il, Carmita? Elle refuse de nourrir son enfant, docteur. Laissez-la. On va emmener l'enfant à la nurserie pour qu'il soit alimenté. Pauvre bébé. Avec des mères comme ça, ils vont souffrir beaucoup dans la vie. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur Larson. Alors, est-ce que vous en savez plus? Docteur, ça y est, on a nourri le bébé de la patiente du lit 12, il ne pleure plus. Mais ni elle ni la femme du lit 11 n'ont voulu me dire quel était leur nom. La patiente du lit 11 semble traverser une forte dépression. Mais la patiente du lit 12, je ne sais pas, elle est comme absente. Elle n'a pas dit un mot depuis plus d'une heure. C'est inquiétant, il n'y a pas moyen de la faire parler. Elle aurait des problèmes psychologiques? Je n'en sais rien, Carmita. Mais je crois qu'il serait préférable que le psychiatre la voie. Tous mes hommes sont à la recherche de votre sœur, je peux vous l'assurer. Et vous n'avez aucune piste? Malheureusement, non, aucune. Enfin, je ne comprends pas comment une personne peut disparaître comme ça. Elle est partie de chez nous pour aller à une fête en son honneur. Et elle n'y est jamais arrivée. Oui, mais je vous rappelle que votre sœur a été enlevée il y a quelques mois. Elle n'a pas que des amis, c'est évident. Non. Le type qui l'a séquestré s'appelait Rulio, je crois, et il est mort. Mais alors peut-être que ce Rulio avait un complice avec lui. Vous voulez dire que quelqu'un l'a de nouveau séquestré? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est une hypothèse, juste une hypothèse. Pourquoi ne voulez-vous pas nourrir votre enfant? Comme une maman doit le faire, comme c'est naturel. Ricardo ne va pas vouloir le garder. Ricardo va croire que c'est l'enfant d'un autre. Et l'homme masqué se cache dans les parages. Et ma mère vient de mourir. Je suis toute seule. Je n'ai plus personne. La maison a été incendiée. Je ne peux pas m'occuper de mon enfant. J'ai perdu mon bateau. Je n'ai aucun argent pour pouvoir l'assumer. Mais vous êtes encore jeune. Pourquoi ne pas chercher un travail ou peut-être trouverez-vous quelqu'un pour s'occuper de l'enfant? Ricardo est parti. Il m'a laissée toute seule, toute seule. Je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une batelière. Je suis insignifiante. S'il vous plaît, Carmita, ramenez-la dans sa chambre. Oui, docteur. Allons-y, madame. Allez. Alors, dites-moi, docteur Pasquale, quelle est votre opinion? Et quel prénom vous lui avez donné? Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Connaissez-vous un endroit où je pourrais confier mon enfant à ma sortie? Vous voulez vraiment abandonner votre fille? Je ne peux pas la garder. Ma sœur et moi, on a déjà tellement de mal. On n'a pas beaucoup d'argent et on est criblés de dettes. Ni elle ni moi n'avons de travail et en ce moment, nous... L'enfant va être... Elle va être un poids pour moi. Avec moi, elle va manquer du nécessaire. Et je ne peux pas. Le mieux pour elle, pour l'instant, c'est de la laisser dans un orphelinat où on va s'en occuper. Où elle pourra être adoptée par une famille aisée qui lui donnera tout ce que je ne peux pas lui donner. Oui, je connais une très bonne maison d'accueil, celle des petites sœurs de la charité. Mais vous devriez réfléchir avant. J'ai pris ma décision. Cette fille souffre d'un problème tout à fait courant. Sûrement dû à une pression trop forte dans son entourage. Je crois qu'elle cherche à se servir de l'enfant pour faire ses responsabilités. Je vous assure que d'ici très peu de temps, elle aura l'enfant d'un autre. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, il s'agit d'un trouble psychologique. Elle a dû passer par des moments émotionnels très intenses, ce qui pourrait expliquer qu'elle refuse d'accepter son enfant.
Elle parle d'un homme masqué qui lui voudrait du mal. Bon, oui, la patiente n'était pas très cohérente. Écoutez, je vais lui donner de toute façon un antidépresseur. Je crois que cet après-midi, elle pourra sortir. Et si elle essaie de se suicider? Je pense qu'elle doit rester. Non, docteur, je vous assure qu'elle n'en fera rien. Le pire que j'envisage, c'est qu'elle donne son enfant à un parent ou à un proche pour s'en occuper à sa place. Malheureusement, c'est un hôpital public. Et nous n'avons pas assez de chambres. On ne peut pas se permettre d'attendre le rétablissement de toutes les dépressives. Elle refuse de manger. On a dû la perfuser. Cette femme est suicidaire. Elle a l'intention de se détruire. Elle ne cherche qu'à mourir. Je suis sûr que ça lui passera. Voyez-vous, Sandoval, je comprends que vous êtes jeune et c'est votre premier poste ici. Mais vous allez devoir vous forger un caractère plus dur et même devenir impassible face à certaines situations. Croyez-moi, vous en verrez d'autres. Je comprends bien votre point de vue, docteur. Mais je pense que son problème est sérieux. Je me demande simplement ce qu'il adviendra d'eux quand ils sortiront d'ici. Qu'est-ce que tu fais, Lupe? Tu vois, je fouille. J'essaie de trouver quelque chose à manger. Ah, hein. À plus tard. Voyons voir ce qu'on trouve de bien. À plus tard. Tu me manques tant. Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue. Ricardo. Marina. On ne m'a jamais embrassée comme ça. Je t'aime tellement. Je t'aime. Encore maintenant, je sens l'empreinte de tes lèvres sur les miennes. Pourquoi, Marina ? Pourquoi faut-il que ça nous arrive à nous? D'où viennent ces photos, maman? Tu crois que c'est vraiment ça le plus important? Ce qui compte, c'est d'admettre la trahison de cette femme. Sa trahison. Tu as été le dindon de la farce. C'est ce type-là, c'est ce papalote. C'est celui qui lui rend toujours visite depuis qu'elle est venue habiter chez nous. A-t-il fallu que tu me trompes avec cet imbécile de papaloté? Mon amour, des nouvelles de Marina? Aucune. Oh, mais la police ne fait-elle donc rien pour essayer de la retrouver? Bien sûr que si. Mais l'inspecteur n'écarte pas l'idée d'un nouvel enlèvement. C'est complètement absurde. Celui qui voulait enlever Marina, c'était Rulio. Il est mort. Qui d'autre peut lui en vouloir à ce point? C'est fou. Je sais rien. Je ne peux rien répondre à ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que mon frère ne sache rien de toute cette histoire. Et il n'y a pas moyen de le joindre pour lui dire que Marina a disparu. Je ne voudrais pas dire ça, mais... j'ai vraiment peur. Non, il ne faut pas perdre espoir. Il faut rester positif. Tout se passera bien. Docteur, comment vont les patientes du lit 11 et 12? Rien n'a changé depuis tout à l'heure. Celle du lit 11 est totalement dépressive et celle du lit 12 ne montre aucune réaction. Je persiste à dire qu'il faudrait la garder, Carmita. Vous en êtes sûr, docteur? Elle entend son enfant pleurer et elle ne le nourrit pas. Il ne faut pas dire du mal des patientes comme ça. Je suis persuadé qu'elle a des problèmes psychologiques très graves. Si on la laissait sortir, qu'adviendrait-il de son enfant? Eh bien, elle l'a eu, qu'elle le garde, qu'elle l'assume. Vous savez, docteur, les nurseries débordent. Et on a besoin de libérer les lits pour accueillir les nouvelles patientes. Ces femmes doivent partir et emmener leurs enfants avec elles. Celle du lit 11 peut se sortir de sa dépression, mais celle du lit 12, elle me fait vraiment de la peine. Ah, docteur, dans notre profession, on ne peut pas être aussi sensible.
Il vaudrait mieux que nous laissions ces deux femmes sortir avant que le directeur de l'hôpital ne la prenne. Mais vous savez bien que nous manquons vraiment de lits, docteur. Je me sens tout à fait incapable de leur dire de partir. Eh bien, le directeur le fera. Ou moi, qui suis l'infirmière en chef. Mais ces femmes-là doivent partir immédiatement. Hey, t'as vu, c'est pas mal. Mais c'est très bien, ça. Bonne pioche, tu trouves pas? Ça commence bien. Bon, eh bien, voyons voir ce que je trouve. Je vais voir ce que je trouve ailleurs, hein. Il n'y a rien là-dedans, c'est pas vrai, rien. On ne trouve vraiment plus rien de bien par ici. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas possible, c'est incroyable. Vraiment, Justine, rien qui peut être utile. Tiens, regarde, j'ai trouvé ça là. Ben, peut-être que ça pourrait servir et que j'en tirerai quelque chose. Dis-moi, comment ça va, le marché? Oh là là, si tu savais, ma pauvre. J'arrive pas à m'en sortir, j'y arrive pas. Pour les pauvres, ça va de plus en plus mal. Il n'y a rien ici, il n'y a rien d'intéressant pour les gens comme moi. Eh non, rien. Il faut que je continue à chercher, sinon j'aurai rien. Ouais, il faut continuer à chercher. Les patientes du lit 11 et 12, vous devez quitter l'hôpital. Vous avez entendu? Où est-ce que je laisse l'enfant? Comment ça, le laisser? C'est votre enfant. Vous l'avez mis au monde et que vous le vouliez ou non, vous devez l'emmener. Préparez-vous et dans 10 minutes, vous devez être parti. La batelière et son bébé. Que vas-tu faire de ton enfant? J'en sais rien. Cette petite, je ne peux pas la garder. Ma petite fille, je ne peux pas la garder. Je suis si pauvre, ma sœur et moi, nous n'avons pas de travail. Et cet enfant est une charge trop lourde pour moi. Mais il y a une des infirmières qui m'a dit qu'il y avait un endroit où on pourrait laisser nos enfants et où ils seraient bien éduqués. Ils s'en occuperont bien. Je vais rentrer chez moi. Tu sais où tu habites? Je vais rentrer chez moi. Eh, mais attends! Je vais chercher mon mari. Je vais rentrer chez moi. Alors, on n'a toujours aucune nouvelle? Non, aucune, Laura. Il semble que ma sœur se soit volatilisée. Oui, si seulement on pouvait raconter tout ce qui se passe à Ricardo. Et Monsieur Guillermo qui n'est pas là non plus. Bon, mais calmons-nous. Il faut agir. On ne peut pas rester ici sans rien faire, voyons. J'ai été déposé un avis de disparition depuis hier au commissariat, mais Marina n'est pas réapparue pour autant. Je n'y comprends plus rien. La seule chose qui expliquerait sa disparition serait que l'accouchement ait lieu en pleine rue. Et alors elle aurait trouvé quelqu'un, une bonne âme, pour l'aider et l'emmener à l'hôpital. Bon, mais dans ce cas, je crois que logiquement, ils nous auraient appelés pour dire ce qui se passait, non? Je te vois comme une femme.
comme la femme que j'aime. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais personne qui ne saura t'aimer comme je t'aime. Veux-tu devenir ma femme? Dis-moi oui. Dis que tu acceptes. Il y a toujours eu quelque chose entre vous, Marina. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu m'aimais? Pourquoi? Ricardo est le prénom de ton papa. Mais je ne sais pas où il se trouve. Moi, je suis ta maman. Il faut qu'on retourne chez nous pour pouvoir chercher ensuite ton papa. Nous allons le retrouver. Mais je ne sais pas où chercher ton papa. Centre d'accueil. Oui, madame, c'est bien ici, mais que vous arrive-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Je ne peux pas garder ma fille. À qui dois-je m'adresser? À qui je peux la laisser? Vous êtes sûre vous voulez la laisser? Je n'ai pas le choix. À qui puis-je parler de mes problèmes? À qui puis-je confier mon enfant? Venez, allons voir la supérieure. C'est elle qui saura vous aider. Faites attention.
J'en ai marre. Pourquoi? Pourquoi il m'appelle pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Julio? J'en ai marre de faire les 100 pas pour savoir s'il a pris l'enfant de cette sale petite gare. C'est pas vrai! Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Et si je le prends? Ah, et sainte Vierge, éclaire-moi, je t'en prie, s'il te plaît, mais que dois-je faire? Allez, mon petit, ne pleure plus. Allez, viens par là. Viens par là, mon enfant. Ne pleure plus. Non, 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 c'est fini. Allez. Allez, allez. C'est fini, mon petit. Allez. Oh, c'est ça, comme tu es beau. Tu avais juste besoin que quelqu'un te prenne dans ses bras. Oh, oh comme tu es jolie. Oh là là, mon petit, tu étais là tout seul. Pauvre petit, tu es pourtant si beau, mignon. Qui pourrait faire une chose pareille? Quelle mère sans cœur pourrait faire ça? Qui pourrait l'abandonner comme ça au milieu des ordures? Oh. Comment ça a pu arriver? Comment quelqu'un a pu te faire ça à toi? Tu aurais pu te faire manger par un rat ou par les charognards qui tournent par ici. Oh, que tu es jolie. Non, je sais que ta mère ne t'a pas abandonné ici. Tu sais quoi? Elle est certainement partie pour aller chercher quelque chose. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle ne va pas tarder à revenir avec plein de bonnes choses à manger. Tu dois avoir très faim, hein, mon petit. Eh bien, je vais préparer quelque chose à la maison. Oh. Tu sais quoi, mon amour? Je vais te dire, je vais bien m'occuper de toi. Maudite sorcière. J'espère que tu vas disparaître à jamais avec le gosse de la batelière. Oui, d'accord, pas de problème, Elias. Je te crois. Je prends un avion aujourd'hui même. Je me mets en route. Prends bien soin de Marina. Il faut que je lui demande pardon parce que je l'ai tellement mal jugée. À ce soir, Elias. À ce soir. Ça te dirait d'aller au théâtre ce soir avec Carolina? Pourquoi m'as-tu trahi, maman? Pourquoi n'as-tu rien dit à propos de l'enfant que Marina attendait de moi? Pourquoi m'avoir menti, maman? Et aussi, pourquoi tu as menti à mon frère? Ah, mais je ne sais pas de quoi tu... Oh non, bien sûr, tu n'as aucune idée de ce que je te raconte. Ce que tu as dit à Elias, que je savais que Marina attendait un enfant de moi. Ce n'était pas vrai, tu ne me l'as jamais dit. Et au lieu de ça, qu'est-ce que tu m'as raconté? Qu'Elias et Guillermo étaient en voyage. Mais mon frère n'a jamais quitté Acapulco. Baisse d'un ton, je ne t'autorise pas à me parler de la sorte! Après tout ce que tu as fait, c'est plutôt à moi de ne pas t'autoriser à me parler sur ce ton-là! Ricardo, une mère sait toujours ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et c'est vrai qu'il y a des mois déjà que je suis au courant que Marina est enceinte, mais ça n'avait aucune espèce d'importance puisque cet enfant est de papa Lotte! Enfin, moi, je ne vois vraiment pas en quoi ça te regarde! Mais tu crois que c'est le tien, peut-être? Bien sûr! Il ne suffirait que d'une analyse pour prouver que je suis son père. Et en plus, sache que Marina ne m'a jamais trompé. Non, elle ne m'a jamais trompé. Et les photos que tu m'as montrées, ces photos n'étaient qu'une vulgaire machination. Ah, voyons, Ricardo, mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon, très bien, je peux comprendre que tu aimes cette femme. Mais de là à accepter de jouer le rôle du dindon de la farce, il y a quand même des limites. Maman, Elias m'a affirmé qu'il n'y a jamais rien eu entre Marina et Papaloté. Parce que tu préfères croire ton frère plutôt que moi qui suis ta propre mère? Eh bien, oui! Enfin, d'où croyez-vous que je l'ai sorti, ce petit? Je l'ai trouvé au beau milieu de la décharge. J'étais en train de fouiller dans une poubelle quand je l'ai trouvé. Et qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Qu'une mère abandonnerait son enfant en plein milieu d'une décharge? Mais il faudrait vraiment être folle ben pour faire oui, ça. Oui, c'est ce que je crois. Cette femme doit être folle parce que sinon, je n'imagine pas comment elle aurait pu l'abandonner là, comme ça, en plein milieu des poubelles, dans une caisse en carton. Mais calme-toi, calme-toi. Laisse-moi le voir. Mais bien sûr que tu peux. Regarde comme il est beau.
Oh, il est si mignon. Il est tout beau. Il est tout blanc, ce bébé. Tu me laisses le porter? Oui, voilà, tiens. Viens par là, mon petit. Viens par là, qu'il est mignon. Mais voyons, Loupé, tu es complètement folle. Mais quelle idée de ramener un nouveau-né chez toi. Mais comment tu vas l'élever? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui donner à manger? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'allais pas le laisser comme ça, au beau milieu des poubelles, à nourrir les rats. Tu comprends? C'était pas possible. Mais qu'est-ce que tu dis là? Il est si petit, si doux, je le mangerai bien à coups de bisous. Oh, le pauvre petit, comme il doit avoir faim. Voyons, voir ce que j'ai pour lui. Oh, mon Dieu, c'est pas possible, j'ai rien à lui donner. Oh, attends, j'ai un peu de lait à la maison. J'y vais, je le réchauffe et je te le ramène. C'est vrai? Oui, oui, oui. Oh, mais attends un peu, parce qu'il est tout mouillé. Oh, passe-moi une couche, là. Ah, mais toi, t'es vraiment trop drôle. Non, mais comment veux-tu que j'ai des couches ici, alors qu'il n'y a jamais eu d'enfant dans cette maison? Oh, c'est vrai. Écoute, je vais aller chez Maria Luisa. Elle a 8 enfants. Elle aura bien quelque chose pour celui-là, des couches et des biberons. Allez, sois tranquille, ne t'inquiète pas. Toutes les deux, on l'habille, on le lave et on te le rend bien. Ah, merci les filles. On va bien voir si ça arrête de pleurer. En vérité, je ne sais pas comment faire. Donne-le-moi, donne-le-moi. Allez, on revient tout de suite. Allez, on y va. Non, ne t'inquiète pas, elles vont vite revenir. Ne t'inquiète pas, elles seront bientôt là. Elles sont parties te chercher des affaires. Dans le quartier, on est tous bien pauvres, mais on s'entraide, on se soutient. Oui, oui, tu vas voir, elles vont te rapporter du lait. Mais comme tu es mignon, toi. J'arrive toujours pas à croire que pendant ces longs mois, tu m'aies empêché de parler à mon propre frère. Mais bien sûr, tu ne voulais surtout pas qu'il apprenne que Marina attendait un enfant de moi. Je voulais juste t'éviter de souffrir davantage à cause de cette maudite femme. Mais de quelle souffrance est-ce que tu parles, maman? Comment peux-tu penser que je n'ai pas souffert ces 9 derniers mois sans Marina? J'ai essayé d'oublier, maman, mais je n'ai pas réussi, tu comprends? Maudit soit le jour où tu es tombé amoureux de cette garce! Tu l'as toujours détestée. Et tu sais quoi? Elle ne t'a jamais rien fait pour que tu la détestes ainsi. Elle est une enfant bâtarde de mon mari, je la hais! Et elle n'est là que pour s'emparer de la fortune de Guillermo. Elle ne sera jamais à ta hauteur et je refuse que tu la voies encore! Pour moi, ton mariage avec elle est une honte. C'est véritablement une honte pour toute notre famille, Ricardo. Alors, tu as honte? Parce que c'est une fille du peuple, hein? Pleine d'humilité. Et que nous avons de l'argent, une bonne position. Comment peux-tu penser une chose aussi absurde, maman? Tu te crois à ce point supérieur? Non, je ne t'autorise pas à me parler ainsi. Et utiliser toutes ces photos pour me tenir éloigné de Marina pendant ces 9 derniers mois, je trouve ça infect. Et ça, tu vois, écoute-moi bien, maman. Ça, je ne pourrai vraiment jamais te le pardonner. Ricardo, mais où est-ce que tu vas, Ricardo? Je pars au Mexique sur le champ. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me laisser seule. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu peux faire ce que tu veux, moi, j'en ai assez. Ricardo. Regarde tout ce que nous ont offert les voisins. Une grenouillère vieille, mais peu importe, puisque ça va servir aux petits. Et 3 couches lavables, 4 jetables, et encore plein d'autres petites choses utiles. Et des petits habits d'occasion, mais très bien encore, tu vois. Sainte Vierge de Guadeloupe, c'est bien vrai que les pauvres sont très solidaires et entre nous, on s'entraide toujours. À moi, on m'a donné ce lait. Ça va suffire pour les 2 prochains jours. Oh, mais... Et si le lait que tu lui donnes lui fait du mal, il faut lui donner du lait spécial. Il leur faut un lait spécial. Mais franchement, tu veux que je le trouve où, ton lait spécial, là? Il pleurait tellement, il mourait de faim, il fallait faire quelque chose. Enfin, on pouvait pas le laisser comme ça. Regarde, il a déjà tout bu, c'est bien. Allez, donne-le-moi. Oui, oui. Ça m'arrête chez la valide à faire son rôle. Allez, à toi. Après, je changerai ta couche, mon petit loup. Mais qu'il est mignon. Ah, quelle merveille! C'est bien, c'est ça. Allez, encore. C'est une si petite chose. Et alors, t'es en train de me dire que t'as laissé ce sale mioche dans cette décharge? Oui, comme je te le disais, Gertrudis. Après l'avoir arraché à la batelière, je l'ai abandonné dans la poubelle. Et elle ne t'a pas reconnu? Elle ne t'a pas vu quand tu lui as retiré? J'avais un masque sur la tête. De toute façon, jamais elle n'aurait pu me reconnaître. Elle est devenue complètement folle. Alors, Marina est devenue folle, c'est ça? Après que j'ai abandonné le gamin dans les ordures, j'ai vu une vieille clocharde qui le récupérait. Et la mendiante, qu'est-ce qu'elle en a fait? J'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir.
L'avenir de ce gamin, je m'en contrefiche. Ce qui compte, c'est que Marina commence enfin à payer pour tout ce qu'elle me doit. Bah oui, parce que si on a décidé de se venger d'elle, c'est pour enfin avoir notre vie à nous. Voilà. J'ai quelques économies et je pourrais tout à fait louer un appartement pour qu'on y vive tous les deux en amoureux. Ah oui? Oui. Et où sont donc ces petites économies, Gertrudis? Eh bien, dans ma chambre, parce que je les ai reprises de la banque au cas où on les veut tout de suite pour partir d'ici. Je les ai déjà. C'est pas une bonne idée, Gertrudis. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, hein, si Pastora découvre tes économies et qu'elle te les vole? Non? Oh, Pastora ne va pas me voler mon argent, non? Et cet argent doit rester ici, en lieu sûr. Parce que je ne veux pas imaginer que tu n'aies pas confiance en moi. Non, non, j'ai confiance en toi, tu sais. Mais qu'est-ce que tu attends? Va chercher cet argent et apporte-le ici. Il sera en sûreté dans notre nid d'amour. Allez, vas-y, allez. Bon, d'accord, mais après... Non, tu y vas maintenant, là, pas dans 2 heures. Bon, j'y vais, je reviens tout de suite, attends-moi. Allez, finis-en de me raconter comment ça s'est passé. Attends, sois pas si pressée, enfin, j'ai presque fini avec ce petit gars. Oh, qu'il est gentil, tellement mignon, oui, regarde, avec tous ses nouveaux habits, c'est bien bon. Comme je vous disais cet après-midi à toi et à Blanca, j'étais tranquillement à la décharge en train de chercher de quoi gagner un peu d'argent, et j'ai trouvé des bouteilles en verre qui pouvaient être pas mal. Je commençais à avoir des ampoules aux pieds tellement j'avais marché. Et là, qu'est-ce que j'entends? Des cris de bébé. Et alors, je regarde autour de moi, je cherche partout et... les cris continuaient de plus en plus forts. Et alors, je l'ai vu. Il était là, dans les cartons. Je m'approche. Le pauvre, il était en train de pleurer tout seul, inoffensif, à la merci des rats. Incroyable, quelle misère. Vraiment, qu'une mère puisse faire ça, c'est immonde. Être capable de jeter un enfant comme ça dans une boîte en carton. Moi non plus, je ne comprends pas, c'est pour ça que j'ai pas pu le laisser. Je l'ai pris dans mes bras, il était si mignon, et d'un seul coup, il a arrêté de pleurer. Quelle mauvaise mère, femme indigne qui abandonne son bébé comme ça. Et comme tu dis, des rats auraient bien pu s'en prendre à cette pauvre petite créature. Moi, je me suis mise à chercher partout avec le petit dans les bras. Je pensais pouvoir la retrouver, mais elle était nulle part, comme évaporée. J'y ai passé 2 ou 3 heures, tu vois, mais elle n'est pas revenue. C'est comme si elle s'était complètement volatilisée. Ah. Ce que tu as fait de mieux, c'est de l'avoir amenée ici. Au moins, il ne sera pas resté là-bas tout seul. Ça aurait été horrible de faire comme l'a fait sa propre mère. Enfin, dis-moi, tu n'aurais pas dû aller au poste de police, non? Oui, peut-être, j'y ai pensé, et je pense que... Oh, tu sais comment sont les policiers, non? Il suffit qu'ils posent les yeux sur moi, qu'ils voient que je suis une pauvre pour croire que c'est moi qui l'ai kidnappée. Je veux pas encore finir au trou. Non, la vérité, c'est que j'ai eu vraiment peur. Je suis d'accord avec toi, Loupé. Tu as bien raison, tout le monde a peur des pauvres, et même les policiers. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oui, mais moi, je ne sais pas m'en occuper. Mais il est beau comme un prince. Oh, si tu veux, je te le garde pendant la journée, quand tu vas à la décharge. Ah, comme c'est gentil, Sheila, c'est si généreux. Pas vrai? Écoute, si tu décides de le garder, je veux bien être sa marraine pour le baptême. Tu es d'accord, Loupé? Non, Sheila, je ne peux pas le garder, je ne peux pas. C'est pas le mien, j'ai pas le droit, non. Non, non, c'est pas possible. Dès demain matin, je retourne à la décharge et je vais essayer de retrouver sa mère. Elle aura peut-être des remords d'avoir laissé son enfant. Non, non, je dois y retourner demain et essayer de la retrouver. Le pauvre petit bonhomme, il faut le rendre à sa maman. Voilà toutes mes économies. Fais-y bien attention, hein. Ne t'inquiète pas, je vais y faire attention. Ce sera pour construire notre nid d'amour. Combien il y a? En tout, il y a 100 000 pesos. 20 années de dur labeur. Et sans compter tout ce que je t'ai envoyé à Mexico ces 9 derniers mois. Sinon, il y en aurait beaucoup plus. Arrête de te lamenter, Gertrudis. On a un avenir radieux qui nous attend. Sois plus positive. On a plein de choses à faire. Le futur est à nous. Et on se mariera. Et moi, je veux une belle robe de mariée toute blanche, faite sur mesure, juste pour moi. Mais oui, on va se marier, bien sûr.
Alors fais-moi un bisou. Non, 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 Gertrudis, non. Ce n'est pas bien. Il faut savoir attendre. Mais attendre quoi? D'être unis devant Dieu. D'être mariée à Julio? Bien sûr. Gertrudis, j'ai aussi des sentiments, mais aide-moi au moins. Je dois respecter la tradition. Ma grand-mère était vierge à son mariage, tu sais. Et ma mère aussi. Mais toi... toi, tu n'es pas comme une de ces filles aux mœurs légères qui traînent dehors. Toi, tu es une demoiselle décente, hein? Oui, d'accord, je te comprends, mais je vais devenir une vieille fille, moi, à attendre si longtemps. Tu as déjà attendu tout ce temps. Tu peux bien attendre encore quelques jours, non? Aide-moi à ne pas succomber à la tentation. Aide-moi, je t'en supplie. Oh, Julio. Bon, je crois que le mieux pour nous deux, c'est que tu remontes, hein? Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir me maîtriser. Non, vraiment pas. Allez, tu ne voudrais pas vivre dans le péché, quand même. Votre frère Ricardo est enfin arrivé. Elias! Ah, comment ça va, mon frère? Enfin, tu es là. Bonjour, mon fils. Maman, ça va? Que tu es belle. Oh, comme tu es belle. Regardez ça. Bon, et Marina, alors, où est passée ma femme? Marina a disparu, Ricardo. Comment vous appelez-vous? Marina. Marina comment? J'en sais rien. Où habitez-vous? Je ne m'en souviens pas. Je viens d'avoir un enfant. Un enfant, mon enfant. Et où l'avez-vous laissé? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Si un homme avec une cagoule l'a pris, c'est ça, oui. Marina, cet enfant n'existe peut-être pas. Ou peut-être est-il mort? Non, 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 il n'est pas mort, docteur. Marina... parfois, nous sommes amenés à penser que rêve et réalité se mêlent et on croit les choses qui ne sont pas vraies. Bon, essayons de nous rappeler. Je veux mon enfant, s'il vous plaît. Laissez-moi aller. Restez tranquille. Du calme, là. Vous aurez autant d'enfants que vous voudrez quand vous irez mieux. Non, pas un autre. Je veux retrouver mon enfant. Je veux celui qu'on m'a volé. Détendez-vous. Alors, dites-moi, comment s'appelle votre époux? Je le sais. Je le sais. Où est-ce que je suis? Vous êtes dans une clinique psychiatrique. Je suis malade? Écoutez, Marina, parfois c'est l'esprit qui tombe malade, mais tout va rentrer dans l'ordre. Ça va aller mieux. Je veux juste voir mon enfant, s'il vous plaît, je veux juste voir mon enfant. Allons, Marina, restez tranquille. Tout va bien. On me l'a volé, je veux voir mon bébé, je ne m'en... Ne vous en faites pas, allez. Nous allons en parler. Pour l'instant, je veux que vous retourniez au pavillon général. Mademoiselle, accompagnez cette jeune femme dans sa chambre. Oui, je vais retrouver mon enfant. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. On n'a pas revu Marina depuis qu'elle est partie pour se rendre à la fête que Laura avait préparée. Non, non, Marina ne peut avoir disparu comme ça. Il faut la retrouver, elle est enceinte, enfin. Et elle va bientôt accoucher. Ah, mais enfin, pourquoi en faire toute une histoire? Il se pourrait bien qu'elle soit partie en vacances avec cette espèce de vaurien, là. Comment c'est son nom? Ça suffit, maman! Tu n'as plus aucune excuse pour nous pourrir la vie à Marina et moi! Tu as fait bien assez de mal comme ça avec les photos, maintenant ça suffit! Que veux-tu d'autre, hein? Dis-moi! Ne me manque pas de respect, toi, je suis ta mère! Tu n'as aucun respect à exiger de moi! Le jour où tu me respecteras, je te respecterai! Tu ne te rends pas compte, avec tous tes mensonges et tes manipulations, du mal que tu fais. Moi, je n'ai rien fait. Toi, tu es insupportable. Et toi aussi, tu n'es qu'un grossier personnage. Allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Maman, s'il arrive quelque chose à mon enfant ou à Marina, je te tiendrai pour responsable. Ricardo, le mieux, c'est de te calmer. Ce qui compte, c'est de retrouver Marina. Ton enfant est peut-être déjà né et nous n'en savons rien. Nous devons vite la retrouver. Il faut qu'on retrouve Marina et mon enfant. Il faut qu'on les retrouve, et vite.